d'en face, Oui, mon lieutenant. Ok, très bien. Donc, vous allez être en duo avec aujourd'hui le soldat Tipex qui nous a rejoint la semaine passée. Mettez-vous en duo tous les deux, comme ça, ça permettra de vous de pouvoir vous, vous coordonner et de pouvoir éventuellement, si l'un des deux est blessé, faire remonter l'information. Vous restez aux alentours de la maison, vous pouvez rester dans la maison ou aux alentours de la maison en point de défense. Bien reçu, chef. Si jamais il y a le moindre souci, je vous donne les indications et les armes d'assaut restent pour nous défendre si jamais il y a le moindre souci pour qu'on puisse back et ensuite on organise la défense, les gars. Il y a une tranchée creusée par le génie à 50 mètres devant nous. Donc toi t'es le midi, Cornet. Loin de vous, en cas de pépin. On aura beau gueuler, vous nous entendrez pas. Ok, la meilleure position possible. Affirmatif, ouais. Je vais donner les autres ordres et je vous rejoins directement. Ah putain, ok. T'es pas censé être MG, Tipex ? Bah écoute, j'ai pas eu l'information. Oui ? Ok. Chacun ? Non, logiquement il y a un MG dans les deux escouades, messieurs, ouais, donc il y a qu'un seul MG. C'est Bebel, okay. Le MG, si je me trompe pas. Ah ok, j'ai mal compris, là. Posez une caisse pour les squads soutien, et ADS va essayer de mettre un maximum de barbelés pour bloquer l'avant de la maison. Donc comme ça, on aura une couverture... Comment ? Je n'ai pas de supply. Oui, on va poser un supply, vous inquiétez pas. Attends, je vais descendre, laisse pas passer. Mettez-la entre les deux bâtiments et comme ça... Excuse-moi. Soldat, moi je la mets là pour la porter parce que en fait sinon pour mettre devant, si on la met derrière, j'ai peur que ce soit un peu juste. Chef, la caisse, vous préférez qu'on la mette à l'extérieur ? Squad lead, je mets à quelle fenêtre ? Je serai vous, je me mettrai au dernier étage pour avoir un bon visuel. Soldat McFly, mets-toi peut-être en... officier McFly, mettez-vous peut-être en jumelle à l'étage avec la MG pour lui donner les indications. J'éviterai, si je peux me permettre, j'éviterai le dernier étage parce que les tuiles sont cassées des deux côtés, donc tu vois que le jour ne passe pas et le mec il va se faire flinguer. Courage les gars, on vous couvre. Il reste la MG ou... Non, compliqué, dernier étage, j'arrive pas à me caler. Ok. Ok, MG, tu vas te prendre... J'en ai posé une entre les deux bâtiments. A reçu, comment... Attention à vous, messieurs. Tu l'as trouvé, la caisse ? C'est bien positionné, Visari, un peu plus sur ta gauche. Elle est où, cette caisse ? Elle est collée sur le bâtiment qui est à ton nord, normalement, là. Vu. Vu. Ok. Y'a camarade. Est-ce que vous m'entendez d'ici, messieurs, si je parle Affirmatif, chef. Affirmatif. J'étais un peu enroué la semaine passée, donc j'espère que ma voix, c'est un peu... Ça va mieux, chef, ça va mieux. C'est le général qui devait être content. Et on n'a pas encore vu le général, c'est normal. Ouais, il doit être en train de positionner les troupes alliées, je pense. On est très excentré de nos troupes alliées, donc va falloir faire très attention, messieurs. Ça va, soldat ? Ça va, je pense au pays. Ouais, hâte qu'on en ait fini ici pour pouvoir rentrer. Trouver une petite boutique de maroquinerie avec ma petite femme. C'est un beau projet, ça. Moi j'ai pas de femme. Alors on est deux, j'en ai pas non plus. D'ailleurs, vous avez reçu les courriers là ? Ils arrivent pas depuis quelques jours. Hein.
Non, négatif. Est-ce qu'ils foutent? Mon oncle qui est à Berlin normalement m'envoie une lettre tous les mois, mais là ça fait un mois que j'ai rien. Ah, moi c'est pareil. Bon, rien de mon côté. Hein. Mes hommes, ok, reçu. Mais rien du tout. J'essaye d'observer sur notre plan, pour le moment aucune indication, mais je le sens mal. Et j'ai aucune indication du commandement depuis un petit bout de temps, donc je sais pas si le commandement. Ah, bon, les staffelettes. Comment ça se passe actuellement? Vous avez des indications? Pour l'instant, gardez vos positions. Rien de plus pour l'instant. Ok, d'accord, très bien. Bah, de notre côté, on est positionné sur trois secteurs. On a une escouade en avant un peu pour de la reconnaissance. On a une escouade pardon, sergent McFly. Et une patrouille. Excuse-moi. On patrouille en observe si. Un peu, mais pour le moment, aucun contact. On a eu apparemment quelques tirs et quelques balles tout à l'heure, mais on sait pas d'où ça venait. Des traçantes de loin. Ok, ça marche. Chacun, je peux voir ta carte, s'il te plaît? Affirmatif, donné, soldat. Alors, qui nous flanque? Il nous flanquerait, juste une petite question, il nous flanquerait via... Il y a virage ouest, je pense. On est d'accord, via virage ouest. Mais étant donné que... Est-ce qu'on n'a pas des éclaireurs? Et en fait, s'ils pénètrent dans la zone, on sait qu'ils ont pénétré dans cette zone, et donc, le cas échéant, on est au courant que... Je pense que ça devrait être possible, vu sachant qu'on a des patrouilles et qu'on a des éclaireurs sur la zone. Après, il faut savoir qu'on a pratiquement 150 mètres avant virage ouest. Donc, s'il y a un périmètre de 50 mètres qui n'est pas surveillé, le long d'une haie ou autre, c'est là où ça risque d'être compliqué. Ok. Merci. Je vous en prie, soldat. Remettez-vous en position. Bon, bah, en tout cas, donnez les indications au commandement que pour le moment on tient la zone. Si jamais il y a le moindre souci, j'enverrai l'un de mes soldats vous informer de quoi que ce soit et si on peut tenir. Je vais rester avec votre squad en attendant. Ok, ben d'accord, très bien. Prenez un café, réchauffez-vous dans la maison si vous souhaitez. Vous serez plus à couvert, on sait jamais. Ce serait dommage que et notre le soldat notre Bebel Snow qui va vous faire un café. C'est con. Sinon on devrait pas les... C'est pour qui le café? Bon, moi, le médecin à l'Aventin. Hop, attends, je le fais chauffer un peu la cheminée. Bebel, si t'en restes, j'en veux bien, s'il te plaît. Évitez les feux, ouais, les évitez les feux, on sert. Je prends les bougies, je chauffe tout. Hop, hop là, il est tout chaud, il est tout chaud, il est où? Là, je suis premier. Hop, viens, viens, viens. Merci. On tire la petite table basse là. Hop là, je te sers. C'est pas toi qui avais une photo de ta femme la semaine dernière? Non, non, c'est pas moi. Ah, c'était ADS. Ah, c'était ADS? Ouais. Tiens, Tipex, je vais prendre un café là, il y en a en bas. Ah, je t'en remercie. Sur la table basse là-bas. Merci. Ça fait du bien, ça réchauffe un petit peu. Moi je vais reprendre ma position. Bon Hornet, je remonte hein. Ouais, pas de problème. Excusez-moi. Merci. Ah, merci, je me fais... J'ai pris un peu de poids. Dites que je suis gros. Non, c'est moi chef, c'est moi. Non, je vous êtes costaud, pas gros. Ça fait du bien un petit café. Il est trop petit pour son poids, c'est tout. Oh, ce calme. C'est trop calme. Ça fait toujours peur ce calme. C'est trop calme. C'est le calme avant la tempête. Ça se passe bien soldat? Oui, très bien, merci. Pour le moment. Ouais, je pense que quand ça va nous tomber dessus. Où est-ce que vous voulez qu'on parte mon lieutenant? Alors attendez, on va vous trouver, on va trouver quelqu'un. Je suis dans la pièce d'à côté, si jamais. Mettez-vous en couverture ici. Sergent McFly. J'arrive. Vous êtes à quel étage? Ah, vous êtes là. Est-ce que vous auriez un homme de disponible pour partir en reconnaissance avec ADS? Je me porte volontaire.
Ok, très bien. Si c'est possible. D'accord, très bien. Bah, il y a le soldat ADS qui attend dans l'entrée. Il faudrait que vous puissiez partir sur notre flanc droit, donc sur virage ouest. Je vous prête ma carte actuellement. Si jamais il y a le moindre souci, si jamais vous avez le moindre contact, vous revenez directement sur zone et vous nous donnez les indications. Vous évitez le tir et vous évitez le contact, à part si réellement vous êtes en difficulté. D'accord ? C'est surtout pour nous donner des informations et savoir si on n'est pas flanqué. Messieurs. Reçu, sergent. À vous la patrouille, vous éloignez pas trop, maximum de 300-400 mètres, hein, messieurs. D'accord, reçu. Chacun, ici l'estafette. Écoute bien, oui, parce que j'ai le commandant qui a demandé un ordre à peu près. Enfin, il va quand même. Il a demandé alors, de faire un petit vers virage ouest. Donc, affirmatif, on vient d'envoyer une patrouille sur virage ouest. On a deux hommes qui partent sur le flanc droit actuellement. Qui vont faire des patrouilles et des allers-retours et nous faire remonter l'ensemble des informations. Ok, vous n'avez pas été encore. Pour le moment, on n'a eu aucun contact. Enfin, tout à l'heure, il nous semble avoir vu quelques traçantes passer pas loin, donc on ne sait pas si c'était, si c'était souhaité ou pas de la part des troupes ennemies. Mais depuis, rien du tout. Ça marche. Il me semble avoir entendu des tirs. Vous avez pas entendu des tirs, messieurs ? Négatif. Bon, c'est moi. Alors, c'est à force les combats très post-traumatiques, je pense. Ah. Ouais, ça tire. Oui, ça tire. Il y a du contact. J'ai entendu des tirs au loin. Chef, on a personne plus loin que la grange. On a une patrouille qui est partie sur notre flanc droit, messieurs. Deux hommes, Tipex ADS et. Deux hommes. Ouais, à la droite, d'accord, mais au niveau du champ, là, les ballots de paille, là, ou la cabane, je sais pas ce que c'est. Il y a personne dans cette direction derrière la grange. Derrière la grange, Tipex et Willem. On a deux personnes dans la grange. Oui, oui, ok. Et sinon, derrière la grange, on a aucun contact. D'accord, ok. Parce que j'ai cru voir du mouvement, mais. C'est peut-être mon imagination, je check du coup. Affirmatif, j'ai du mouvement en plein midi. Très loin. En midi ? Ok, très bien. Midi. 200. On a du contact en face, préparez-vous au combat. Tout le monde se prépare au combat. Voir un peu la situation, comment elle se débloque. Ça arrive d'où les gars ? En plein midi, alors en 200 pour ceux qui ont une boussole. Okay. En gauche. Les escouades en face, Wolfpack, tu passes sur notre flanc gauche. On la défend sur le flanc gauche avec. À gauche, on peut très bien nous flanquer à droite aussi. Hein. Ils sont bien organisés. Bon, on reste là, on essaie de faire la position. J'ai envoyé les tablettes parce qu'on a des informations. Crépite. Ça
je prends des tirs, je prends des... Ah, je crois qu'il y a des tirs sur la maison, sur le tambour. Y'a Willem qui a gueulé tout à l'heure, qui prenait des tirs. Willem, tiens bébé, on va aller, on va monter à l'étage. Là tu auras un visuel sur le flingot. Ah, t'auras pas grand chose hein. Pas grand chose. Non, y a un arbre devant là. Willem, bah que dalle quoi. Oh Bébel, Bébel, il est en train de revenir dans la grange là, il est dehors. Tu veux des munitions? Merci. McFly, il est contact, monsieur. Quelques caisses de munitions au cas où on mourrait. On part de... Pour l'instant, on attend parce que je sais pas. Oui, on fuit à l'intérieur, on sait jamais, attendez. Oui, affirmatif. Faut bien, tu pexes. Ça va ? Ouais, 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 j'ai dû traiter au moins deux packs là. Sur le flanc gauche. Ah ouais, ouais. Okay, d'accord. Bah, on reste sur position. Mais ils sont quoi ? Ils sont à. À 50 mètres quoi. Mais on les voit très très mal. Ouais, ouais, allez. En plus, on a les arbres qui cassent la route. Surveillez en face, un peu en face, et faites attention à vous. Rapport contact, qui a des rapports contact ? Faites attention, on a du monde dans les maisons sur notre flanc gauche, les gars. Je dis quoi, chef, la maison qu'à notre gauche, là, il y a du monde, il y a des ennemis dedans? Non, non, il y a des alliés. Ah, ok, d'accord. À nous. Ok. Ne vous inquiétez pas. Messieurs, vous avez du contact? Je confirme sur le flanc gauche, là, mais quoi, entre 50 et 100 mètres, là. En fait, des fois la brume elle se dissipe un petit peu et du coup j'ai un petit visu, mais il est vraiment léger, léger quoi. Pas le tel brouillard, on voit rien. Ouais, ouais, c'est... on voit pas grand chose. Lieutenant, au rapport. Sergent, au rapport. Où êtes-vous ? Messieurs, attendez, j'arrive. Oh, Dieu. Vous avez entendu. Vous venez de revenir de la patrouille, c'est ça ? Vous avez aucun contact ? Aucun contact, signalé. Ok, d'accord, très bien, messieurs. Ce que vous allez faire, vous allez vous positionner le long de la route. Venez avec moi. Attention, on passe devant la fenêtre. Essayez de vous positionner. Là.
Oui, affirmative, vous êtes où? On est juste devant vous. En bas de la maison. Ah, mais c'est le sergent McFly. Sergent McFly. Contact le tir, contact le tir. Rentrez dans la maison. Fait que voilà, c'était pour demander si on pouvait prendre position dans la maison pour avoir un point de vue plus élevé. La varnette. La vôtre, oui. Affirmatif. Et en bas là. Par contre, qui doit couvrir la porte, faites attention. Pas compris. Ah non, je demandais si t'étais en bas, j'étais dans mon étage, ok. Ouais, je suis à l'étage, ouais. Ok. Tu me préviens si tu descends, je te préviens pareil si je descends. Ouais, pas de problème. Estaflette, est-ce que vous pouvez aller voir le commandement, vous leur demander si quelles sont les informations actuellement et s'il y a eu des pertes. Vous leur dites que nous on se prépare éventuellement à attaquer l'ennemi, à les flanquer si jamais il y a besoin. Si jamais on a l'indication, sachant qu'on est sur leur flanc, on pourra les flanquer s'il y a besoin. Ok, reçu. Merci. Et faites attention à vous, soldats. Hein. Ouais. Il reste du monde dans la maison ou pas? Dans la grange là? Affirmatif. Dans la grange où il y a William, il reste du monde, oui. Ok, reçu. Non, chef, au dernier étage, il y a Ornette et moi. D'accord, très bien. J'ai entendu des tirs, vous avez ouais, pas de... Ouais, entendu également, mais non, pas de visu. Ouais, par contre, c'était deux coups rapides, alors... Ouais, arme automatique, alors. Ouais. Chef, tout à l'heure, j'avais beaucoup de monde dans cet axe-là, sur le flanc gauche. Ok, d'accord. Dès que vous avez un visuel, si vous avez confirmation que c'est de l'ennemi, vous pouvez tirer, hein. Y a pas de soucis, vous avez un bloc. Ok, reçu. Ah, j'ai vu l'estaflette revenir, je vais voir quels sont les ordres. Je reviens. Soldat à l'avantin. Je viens de redescendre, vous êtes où? Attendez, on est en train de se courir après, je crois. Ah, oui. Quels sont les ordres? On maintient les positions pour l'instant, et est-ce que vous avez des pertes ou pas? Négatif, pour le moment on n'a eu qu'une perte, on a eu quelques tirs sur notre position, mais rien de plus pour le moment. Donc aucune perte, aucun blessé. Ok, ça marche, je vais faire un rapport au commandant. D'accord, merci à vous, faites attention à vous, hein, soldat. Et vous avez pas eu de contact? J'ai entendu des tirs tout à l'heure. On a eu du contact, contact sur notre flanc gauche, en est, sud-est environ. Il tire encore sur notre flanc gauche. Hein. Il est où, sergent McFly? Pas McFly, notre sergent. Sergent Chakan, il est dans la grange derrière nous à midi. Ok, reçu, merci. Ah, sergent? Affirmatif, oui. L'assaut américain a été repoussé. Ils attaqueront plus l'assaut. Apparemment, d'accord, ils attaqueront plus. Ils ont eu autant de pertes que ça? Je sais pas du tout les pertes qu'ils ont en face. Nous, on n'a aucune perte. Aucune perte au niveau de la 700 système. Et vous? Et après, je sais pas. Aucune perte. C'est bon, je suis là pour le briefing. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, messieurs. J'ai du contact, j'ai du contact. Contact, contact, midi. Midi dans la grange. Ok, messieurs. Dans la grange, Ipex, c'est à côté de toi. Y'a plus de gars à nous dans la grange? Si, si, y'a Ipex encore, il est juste à côté de toi. Ok. Ouais, restez sur vos gardes, messieurs, on sait jamais. Ça va venir par là, ça va venir par là. C'est un éclaireur, je pense. Ok, ok. Ipex? Chef, il reste Cipex dans la grange. Ah, c'est bon, je... Cipex, tu m'entends? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Rebelle, tu vois quelque chose? Je me demande si c'est toi. Non, je vois rien, tu peux regarder par la ligne. Il y a un fumigène, attention. Il y a un fumigène sur la gauche, faites gaffe. Ah, visage, je vais revenir avec toi. Cipex, je change de pied, je vais dans l'autre. Ok, merci. Ok, j'ai vu Cipex. Nous... Tu confirmes que Cipex est encore en vie? Oui, oui, il est dans la grange, il est dans la grange. Putain, pourquoi je suis pas... McFly, tu peux me spot?
Kevin qui saute ça. Les gars, c'est terminé. Bon les marsouins, vous l'avez entendu, la partie est terminée. Nous avons repoussé les américains et l'ensemble des unités US ont péri pendant l'assaut. Donc mission accomplie pour les allemands, on a tenu le village deux fois. Et personnellement je suis assez content parce que j'ai fait un kill et je suis pas mort sur les deux events. Mais vous le savez tous, c'est plus facile de défendre que d'attaquer. Donc je pense que la prochaine fois, si c'est un autre tour d'attaquer, on va moins rigoler. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, portez-vous bien, si y'a les jeunes.